Ah que coucou les petits loups, comment ça va aujourd'hui? Coucou Pélagie. Cucucucu. Alors, hop, on va préparer nos petits trucs. Je vous ai coupé le son du bureau parce que putain, même en ayant descendu le son du jeu, ça gueule. C'est un enfer. Heureusement que j'ai une molette sur mon casque, hein, parce que sinon, on ne s'entendrait pas. Hop. Nous revoilà pour de nouvelles aventures sur Heavy Rain. Rain. Essayez de le dire correctement. Moi, il est anglais, ça fait 8000. Oula! Touche pas à la molette, touche pas à la molette. Suis la première aujourd'hui. Bah oui. Ça marche mieux quand tu reçois les natifs. Hein. Qu'est-ce que tu fais, Oli? Oli. Alors, j'ai quand même donné un petit peu mon avis sur le jeu, ce que j'en pense, les points positifs, négatifs. En soi, bah pour le moment, l'histoire est plutôt sympa. Il y a quelques petites incohérences, mais en soi, c'est pas dramatique. Par contre, au niveau du gameplay, bon, bah, toujours ces problèmes de direction de personnage, c'est. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça comme ça, avec la vue qui. C'est chiant. C'est chiant. C'est difficile de diriger le personnage. Et bon, ça se voit que celui-là est plus ancien que Become Human. Ils ont corrigé ce problème sur Become Human et heureusement. C'est les choix. Le problème des choix ici dans le jeu-ci, c'est que le texte de chacun des choix se superpose parce que les chiffres n'arrêtent pas de bouger. Le texte a l'air de tourner, d'aller à gauche, à droite. Et du coup, ça se superpose et c'est très compliqué à lire. Donc le temps d'arriver à déchiffrer chacun des choix, bon bah il est temps d'appuyer sur le bouton, quoi. Donc c'est compliqué pour moi, sur ce jeu-ci, de laisser à vous le choix. Parce que bah, le temps que j'arrive à lire les trucs, je suis sûre que si je mets pause, ça va pas arranger le bazar. Bah, c'est compliqué. C'est compliqué. Donc là, je suis obligée de choisir pour vous. J'ai pas le choix parce que. Je suis plus en train de taper au pif qu'autre chose, quoi. J'arrive pas à lire les textes, ils se superposent tout le temps, c'est un peu mal foutu, ça. C'est un petit peu mal foutu. Heureusement, ils l'ont changé. J'espère qu'on n'aura pas le même problème sur les. Je crois qu'il en reste deux autres des jeux narratifs de Quantic Dream. Donc on verra. Mais ouais, ça c'est un des reproches que je peux faire au jeu. Ce sont les choix qui se superposent comme ça et tu vois rien, c'est un peu pénible. Mais sinon, en soi, bah, l'histoire est sympa. On a envie de savoir qui est le tueur aux origami. Est-ce que c'est bien le père, là, qui se retrouve tout le temps dans des situations un peu bizarres après avoir fermé les yeux? Moi, j'ai des doutes sur lui, mais je suis sûre que c'est pour nous induire en erreur, ça. C'est certain. Du coup, ça donne envie d'en savoir plus sur l'histoire. Donc c'est chouette, c'est un peu. C'est le but, hein, c'est le but des jeux narratifs. Donc. C'est impeccable. C'est impeccable. Du coup, hop, ma scène live. Elle est là. Je vais vous mettre le son du jeu. Attention, ça va gueuler, hein? Enfin, ça va gueuler. Je trouve que le son est très très fort. Allez, c''est parti. Bien sûr. Continuez. Il lit pendant qu'il dort. Ouais, mais justement, c'est peut-être un peu trop évident. Parce que c'est le premier truc que tu te dis. Comme il a un origami à chaque fois dans les mains quand il se réveille, c'est un peu trop évident. Donc, je pense qu'il y a autre chose. Faut t'hydrater la peau, hein, monsieur, parce que tu pèles un peu au niveau du nez. Un peu le son, hop là. Par contre, oui, les temps de chargement aussi. Hein. Les temps de chargement, c'est pénible. Hein. C'est extrêmement long. Un peu mieux le son. Lettre.
perce mal. Au son de la flûte, la montagne s'entr'ouvrit et tous les enfants passèrent l'un après l'autre à travers la porte qui se referma aussitôt. Des enfants, il n'y avait plus trace et personne n'a jamais su ce qu'il en était advenu. Bizarre comme truc. Hein. Un indice? Ah. Une carte. Un ticket. On dirait un ticket de consigne. Cet ange sur le ticket de consigne. J'ai l'impression de l'avoir déjà vu. Ça, c'est un ange? C'est un ange, ça. Je crois que je sais d'où vient ce ticket. Ah. Cette lettre m'était destinée. Il doit y avoir une raison. Il y a quoi? Texte, police, 4. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? On dirait une sorte de conte. Ils ont piqué l'histoire de la... Ah, c'est la flûte enchantée. Bah tu vois, moi je savais pas. Je suis le tueur aux origamis. Je commets ces meurtres pendant mes blackouts. Je sais que c'est moi. Ah, c'est sûr, c'est pas lui. Paparazzi. Innocent police. Si cette lettre a un rapport avec la disparition de Sean, je devrais la montrer à la police. Donc c'est l'histoire de la flûte enchantée avec les rats. C'est pas possible. C'est pas moi, j'ai pas pu faire ça. Attends. Tu vois, c'est le problème. Le texte, on voit que dalle. C'est insupportable. L'origami dans ma main après mon absence. C'est celui que laisse le tueur dans la main de ses victimes. Je n'ai jamais fait d'origami de ma vie. Je n'ai pas pu lui faire de mal. Je l'aime de tout mon cœur. J'arrive pas à me rappeler ce que j'ai fait pendant qu'il était sur le manège. Foutu journaliste. Ils font le siège de la maison depuis ce matin. Bon. On va peut-être aller voir les flics quand même. Il faut que je sorte de là et que je découvre à quoi sert ce ticket. On va aller par l'arrière. Hein. On peut passer par au-dessus de la barrière. Oui. Ah, on va pas là. Pas là? Là ça marche pas? What the fuck? Ah, d'accord. Enfin là c'est peut-être un peu près, moi à ta place je passerai quand même quelques maisons avant de retourner vers la route. Allez, ciao les journalistes. Ils m'ont même pas vu alors que j'étais juste à côté d'eux. Ils sont un peu nuls, hein. C'est les incohérences dont je parlais. Ah! Ah, l'image sur le ticket, c'était censé représenter ça. Ne panique pas, c'était panique qu'il faut que tu t'endors. Calme-toi. Il va falloir que je traque. Je ne peux pas perdre de temps. Je dois savoir ce qu'il y a dans ce casier. Les consignes, elles sont de l'autre côté de la gare. Bon.
C'est impossible. J'y arriverai. Je vais pas y arriver. Il y a trop de monde. Trop de monde. Il va pas très bien dans sa tête. Papa, où tu es ? Jason ! Papa ! Le ballon. Je dois rattraper le ballon. Jason, Jason, reviens ! Je suis en train de devenir fou. Le ballon. Je dois rattraper. Jason ! Papa ! C'est en bas et. Non, c'est même pas en bas. On va retomber tout le monde ? Allez, hop, on fait tomber tout le monde. Strike. Jason ! Jason ! Bougez-vous, madame. Ils sont plusieurs dans sa tête. Allez, calme-toi. Voilà, t'as besoin le truc des consignes. T'as vu, t'y arrives. Allez. Chouki. Les consignes. Il faut que je trouve ce foutu casier. Rangée 18, casier numéro 3. 18, 3. Non, non. De l'autre côté, voilà. Ah, fameuse boîte comme l'autre... Comme l'autre propriétaire du petit magasin, là. Pas pendant 1000 ans, Lou. Ouvre-la ta boîte. Bordel. Non, t'ouvres pas la boîte. Ah, il est parti au motel.
Il a toujours pas ouvert sa boîte, mais ouvre là ta boîte, bordel! Ouvre cette foutue boîte! Allez, ouvre la boîte. Non, non, dans le sens. Allez. Hâte de jouer au con maintenant. Oula. Alors, à ta place, j'y touche pas. J'appelle les flics. Non, n'y touche pas, il y a des empreintes. Ah. Dans l'ordre, ça c'est le numéro 1. Êtes-vous prêt à faire preuve de courage pour sauver votre fils? Garage et parking de Joey. Ok. Numéro 2. Ah, numéro 2. Sean. Où tu es? J'ai très froid. Papa! Papa! Je suis pas curieux, non, c'est sûr. Jusqu'où êtes-vous prêt à aller pour sauver quelqu'un que vous aimez? Cinq origamis. Chaque origami correspond à une épreuve. Chaque épreuve rapporte des lettres. Les lettres constituent une adresse. Mais regarde les autres! Mais regarde les autres! Moi, je dépanne chacun des origamis pour savoir ce qu'il y a sur les autres. C'est quand même incroyable, ça. Allez, notre petit flic. Le tueur est blanc. Il a entre 30 et 45 ans. Il n'agit pas par pulsion, mais il planifie ses crimes de manière très structurée. Ce n'est pas vraiment aux victimes qu'il en veut. C'est pourquoi il couvre leur visage de boue, pour les rendre anonymes. S'il n'en veut pas aux victimes, pourquoi est-ce qu'il les tue? Elles ne sont pour lui qu'une image, un symbole. C'est sûrement aussi pour ça qu'il leur laisse cet origami en cadeau, et une fleur sur la poitrine, comme pour s'excuser de ce qu'il leur fait. Très intéressant. Et ça nous met nous, tout ça? Comprendre le comportement du prédateur augmente nos chances de retrouver sa trace. C'est peut-être vrai dans les romans, mais là, la vie d'un enfant est en jeu. Poursuivez, Jaden. J'ai ensuite étudié la géolocalisation des meurtres. Généralement, le tueur commence par tuer autour de chez lui, de manière à avoir un endroit sûr où se réfugier en cas de problème. Plus il prend confiance en lui, plus il s'éloigne de sa base. En analysant les emplacements des disparitions, j'ai réussi à isoler une zone dans laquelle le tueur pourrait habiter. Elle fait quelle superficie, cette zone? Voilà, elle est toute petite. Pour l'instant, une vingtaine de kilomètres carrés. Voilà qui va nous être utile. Ça doit représenter une dizaine de milliers d'habitants. Vous allez les interroger un par un? Avec de nouveaux indices, on pourra certainement réduire cette zone. On pourra alors la recouper avec nos suspects et identifier le tueur. Un détail a attiré mon attention.
La durée entre le moment où un enfant disparaît et celui où on retrouve son corps varie de 3 à 5 jours. Mais la pluviométrie est toujours égale à 150 mm, à 10% près. Où est-ce que vous voulez en venir ? Les victimes ont toutes été noyées dans de l'eau de pluie. Le tueur ne tue qu'en automne, quand les pluies sont abondantes. Le tueur pourrait bloquer ses victimes dans une sorte de cuve ou de puits étroits à ciel ouvert qui se remplirait progressivement d'eau de pluie. Plus il pleut, et moins la victime survit longtemps. Quel est votre plan pour la suite ? Il y a 2 suspects dont les profils psychologiques pourraient coller et qui habitent dans la zone de confort du géoprofiling. Je voudrais les interroger. Ah merde, on est en train de perdre notre temps avec ces conneries. Le tueur est là quelque part, il faut qu'on se bouge le cul et qu'on aille le chercher. Ce tueur n'est pas un banal assassin. Il est intelligent, organisé et méthodique. Vous ne le retrouverez pas en patrouillant dans les rues. Et dans les livres que vous avez obtenu cette grande expérience du terrain, agent Jaden, ou alors dans votre putain de bureau au FBI? Je suis venu ici pour retrouver le tueur. Et c'est ce que j'ai l'intention de faire. Avec ou sans votre aide. Espèce de connard ! Ça suffit ! Vous avez dit qu'il fallait 150 mm de pluie avant que l'enfant meure. Il nous reste combien de temps ? Si les prévisions météorologiques sont exactes, moins de 72 heures. Terrasse brouillée. Personne. J'ai peur qu'on soit venu pour rien. On pourrait peut-être jeter un œil quand même. Je vois pas comment. Oh, il va défoncer la porte. Bingo. Comme ça. Je suis pas sûr que ça soit parfaitement légal. On va pas avoir chose à foutre. Hein. Appelez la police. Voilà. Je dois te le faire aussi. Oula. Il a des problèmes. Personne qui habite là. Il a des gros soucis. On dirait que Nathaniel Williams est plutôt du genre croyant. Non, mais là, c'est pas croyant, là, c'est... Une espèce de taré mystique qui attend la fin des temps. On l'a interrogé il y a quelques mois parce qu'il délirait dans un parc. Il divaguait, il injuriait. Il disait qu'il entendait des voix. Ce taré s'est mis en tête que j'étais l'antéchrist venu sur Terre pour le persécuter. Un vrai malade. Oui, il prend beaucoup de cachets aussi. Nathaniel Williams est notre premier suspect. Il a déjà été interrogé dans le cadre de l'enquête et il habite dans la zone du géoprofiling. C'est étouffant là-dedans. Il n'a pas dû ouvrir les fenêtres depuis des années. Tous les signes d'une névrose obsessionnelle mystique avec délire de persécution. Il a l'air de vivre reclus dans cet appartement. Ce type n'a pas le profil du tueur. On perd notre temps ici. Là, il y a des médocs absolument partout. Tombe bien, Nathaniel. C'est justement toi qu'on voulait voir. Seigneur Dieu, viens-moi en aide.
Je suis l'agent Norman Jedon du FBI. J'aimerais vous poser quelques questions. Je le jure devant Dieu, je n'ai rien fait. Je suis innocent. Personne ne vous accuse de rien, détendez-vous. Nous voulons juste vous parler. Nathaniel, est-ce que vous vous rappelez où vous étiez mardi dernier, vers 16h30? Ici. J'étais ici, j'ai prié toute la journée. Est-ce qu'il y avait quelqu'un avec vous? Non. Non, j'étais seul. Pourquoi tous ces crucifix? Vous avez peur de quelque chose? Le moment est proche, où la colère de Dieu va s'abattre sur les hommes. Je me prépare à la fin des temps. Est-ce que vous avez un travail ou une occupation? Ma seule occupation est de prier notre Seigneur miséricordieux pour le salut de l'humanité. Tu m'étonnes que tu vas pas bien. Et les voix, Nathaniel? Tu entends toujours des voix? On sait qui te parle, hein, Nathaniel? On sait tous les deux qui te parle. Ne prononcez pas son nom. Qu'est-ce qu'il te Carter, dit, Nathaniel? Qu'est-ce que vous faites? Je ne peux pas en parler. Il ne faut pas en parler. Il faut que j'intervienne. Il t'ordonne d'aller chercher des nouvelles proies? Mieux vaut laisser faire Blake. Il lui en faut toujours plus. Ça suffit! Laissez-le tranquille! Non. Non! Il ne faut pas parler de lui, vous allez l'attirer! Il t'a ordonné d'aller chercher ce gosse dans le parc. Les voix Il essaie de le faire craquer. Pendant toute la nuit, tu voulais qu'elle s'arrête! Carter, merde! Hein, Nathaniel? C'est dingue ou quoi? Arrêtez! Arrêtez! Il faut que j'arrête Blake. Il va trop loin. Alors pour les faire taire, tu leur as obéi? T'as pris ce gamin avec toi et tu l'as noyé dans de l'eau de pluie, c'est ça? Non! Non! Assez! Assez! C'est toi qui as buté les gosses, hein? Tu vas le dire, espèce de salopard! Calme-toi. Tu es l'antéchrist. Posez cette arme, Nathaniel. Je vais te renvoyer chez ton père en enfer. C'est le fils de Satan. Il a été envoyé sur Terre pour nous détruire. Merde, Jedon, tirez! Vous ne tuerez pas l'antéchrist avec un revolver, Nathaniel. Il est bien trop puissant pour ça. Norman, merde, arrêtez vos conneries. Butez-moi, cinglé! Calmez-vous, Nathaniel. Tout va bien se passer. Les démons, tu vas regretter d'être venu affronter l'envoyé du Seigneur. Tu vas découvrir la puissance divine! Le lieutenant Blake va quitter notre planète maintenant et retourner dans le royaume des ombres. Créature des ténèbres, je vous en conjure, retournez dans le royaume des ombres et laissez Nathaniel en paix. Christ Tout-Puissant, défendez-nous dans le combat contre les forces du mal. Soyez notre secours contre la malice et les embûches du démon. Que Dieu lui fasse sentir la grandeur de son empire. Précipité en enfer, la force divine Satan et les autres esprits mauvais qui rôdent dans notre monde pour la perte des âmes. Je veux que vous posiez cette arme par terre, tout doucement. C'est quoi? Merde, j'ai tiré. Je l'ai tué. J'ai vu, j'ai appuyé, j'ai pas compris. Bon débarras. J'ai pas compris. L'équipe était tarée. Venez, on n'a plus rien à faire ici. Oups. Mauvais réflexe, j'ai vu, j'ai appuyé. Bon ben, rip, hein. De toute façon, clairement, je pense qu'il était incurable. Complètement cinglé. Ça devait être un prophète. T'as des croyants qui passent par là, mais t'as des gens. T'es juste le prophète.
Suzanne Bowles, la mère de la dernière victime du tueur aux origami. Peut-être qu'elle pourra m'apprendre quelque chose sur les circonstances de la mort de son fils. Mon asthme me laisse tranquille pour le moment. J'ai un inhalateur dans ma poche, au cas où. Le bébé hurle et personne ne répond à la porte. Ça me dit rien qui vaille. Je devrais jeter un coup d'œil. Il y a forcément un autre moyen d'entrer. Le bébé hurle et personne ne répond à la porte. Ça me dit rien qui vaille. Ça doit être lui. Après, c'était des croix. Hein. Je pense plus que c'était Jésus à cause des croix. Mais bon, c'est de toute façon. Madame Bowles. Tous le même truc. Hein. Et quelqu'un? Hey, salut, toi. Eh ben alors, où est passée ta maman? Je sais pas pourquoi, mais j'ai un sale pressentiment. Oh non. Une minute. Vite, il faut que je fouille la maison. Il n'est peut-être pas trop tard. Madame Bowles! Madame Bowles, vous êtes là? Oh. Oh merde. Madame Bowles! Madame Bowles, vous m'entendez? Réveillez-vous! Réveillez-vous! Ça va aller. Je vais appeler une ambulance. Non, je... S'il vous plaît, je veux pas aller à l'hôpital. Ok. Vous avez de quoi soigner cette blessure quelque part? Oui. Je crois... Ok, bougez pas. Je reviens. Appelle quand même l'hôpital, qu'est-ce que c'est que ça? Il y a sûrement des bandages dans la salle de bain. Voyons voir, j'ai besoin de ça. Ça. Il reste une bande. Et ça. Mais non, reviens. Ah, pénible. Je suis là, Madame Bowles. Ça va aller. Je m'occupe de vous. Restez avec moi, Suzanne. Suzanne, vous m'entendez? Suzanne, restez avec moi. Vous m'entendez? Restez avec moi. Ok, c'est bon. Voilà, j'ai fait ce que j'ai pu. Ça devrait stopper l'hémorragie. Heureusement, vos blessures sont pas trop profondes. Hé, hey,
Comment est-ce que vous vous sentez? Bien. Mon bébé. Mon bébé a besoin de moi. Ah bah, fallait y penser avant de te couper les veines, connasse. Restez tranquille ici. Je vais m'en occuper. Ok? Vous savez comment on s'occupe d'un bébé? Je suis détective privé. Je sais tout faire. Elle s'appelle Emily. Je suis arrivé détective privé. Je m'en occupe. Non, non, dans l'autre sens. Salut, Émilie. Alors, c'est quoi ton problème? Oh, à l'odeur, je crois que j'ai une petite idée. Bah, tiens. Alors, qu'on s'occupe d'un mieux. Super. Eh ben, super. Bon. Alors, comment ça marche déjà? Et voilà, un bébé tout propre. Mais je te laisse ça. Ça devrait aller mieux maintenant. Hein, Émilie? Hé, qu'est-ce qui se passe? On a réglé le problème. On s'en vivront. J'ai vu tout à l'heure en se lavant les mains. Je suppose qu'il faut faire chauffer ce truc. Descends, normalement tu veux revenir, tu chien. Alors, Émilie, tu as faim? Attends. Je vais pencher doucement le biberon. Pour que tu t'étouffes pas, ok? T'as une fameuse descente, hein. Bon, ça va, elle a déjà des dents. Il est tout petit, lui, on fait foutu des dents. Ah, bravo, Émilie. J'ai des doutes de la taille. On dirait que ça va mieux. Hein? Non, t'inquiète, il a pas oublié. Maintenant, je vais te bercer tout doucement. Comme ça, tu vas bien t'endormir. Ok? C'est parti. Tourne là-dedans, dehors, faut nous la paix. Autre chose à foutre. Bon, en espérant que l'autre allait partir et ses bandages, là. La folle. Non, non! Merci de vous être occupé de mon bébé. Je ne voulais pas la laisser. Mais c'est tellement dur en ce moment. J'arrive pas à me faire à l'absence de Jérémy. C'est
C'était un gentil garçon, vous savez. Je ne comprends pas pourquoi on lui a fait du mal. Vous vous occupez du bébé toute seule? Le père de Jérémy ne vit plus avec vous? Il a disparu. Le lendemain de la disparition. Je ne sais pas ce qui lui est arrivé. Oh bah, il a reçu la lettre et puis il a voulu peut-être faire un... qu'il n'a pas supporté. Il s'est fait buter aussi. Depuis, je suis seule pour m'occuper d'Émilie et je... n'arrive pas à m'en sortir. Je comprends. Est-ce que votre mari a dit quelque chose avant de disparaître? Est-ce qu'il a laissé une lettre ou quelque chose? Non. Il a quitté la maison sans un mot. Il y avait juste ce téléphone. Le téléphone? Ouais, j'ai retrouvé un téléphone portable caché dans son armoire. Je suis sûre qu'il n'était pas à lui. Je ne l'avais jamais vu avant. J'ai essayé de l'allumer, mais il ne fonctionne pas. Et vous l'avez encore? Oui, il est dans un tiroir, dans le salon. Vous pouvez le prendre. Je suppose qu'il vous sera plus utile qu'à moi. Vous avez de la famille ou quelqu'un qui peut vous aider? Ah, je peux sortir. Oui. Ma mère. Je ne voulais rien lui demander. On ne s'entend pas très bien. Mais je crois que je vais mettre ma fierté de côté pour un temps. Prenez soin de vous. Et d'Emilie. Ah, que coucou oui, le motard. Je vous le promets. Comment, qu'est-ce qui va, la mobilette? Dans un tiroir, dans le salon. C'est bien ce que Suzanne a dit. Non, reviens. Non. Ah, il y a des tiroirs. Non, c'est pas ça. Tiens la carte SD. Allez, on se casse. Il est moins full drogue ce jeu. Oui bah je démerde avec son âge. L'autre chose à foutre. Il doit bien y avoir quelqu'un dans ce garage. Le ticket de parking que j'ai trouvé dans l'origami conduit dans ce garage. Qu'est-ce que je vais trouver ici? Sean semblait à bout de force dans ce puits. Mais il est vivant. Je ferai tout pour le sortir de là. Excusez-moi. Vous plaît? Ah, désolé, je vous avais pas vu. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Je viens chercher cette... ma voiture.
Est-ce que je suis déjà venu dans ce garage ? Vous êtes plutôt du genre patient, vous. Ça fait bien 2 ans que cette bagnole est là. On l'a fait tourner tous les mois. On a vérifié les pneus et la batterie, comme vous aviez demandé. Voilà. Elle est au 3e sous-sol, l'ascenseur de service. Allez, bonne journée, monsieur. 3e sous-sol. L'ascenseur au fond du garage. 3e niveau. 2 ans que cette voiture est là. Qu'est-ce que ça veut dire ? Personne d'autre est venu la chercher. Donc les autres pères, je sais pas ce qu'ils ont foutu, ils se sont fait buter avant. Il y a des dizaines de voitures. Laquelle est celle que je cherche ? Cours surtout pas. Ah ouais, c'est une belle bagnole quand même. Ça va, hein ? À mon avis, il n'y a plus de batterie. Est-ce que tu as pris les autres origamis avec pour lire ce qu'il y avait dessus ? Votre destination est à 6 km d'ici. Sortez du parking et prenez la première à droite. En fait, elle est moche à bagnole. De devant, elle avait l'air stylée. Prenez à gauche au prochain carrefour. Serrez à droite et prenez la prochaine sortie. Vous êtes arrivé à destination. Êtes-vous prêt à faire preuve de courage pour sauver votre fils ? Prenez l'autoroute à contresens pendant 8 km. Vous échouerez si la distance n'est pas parcourue d'ici 5 minutes. Je peux le faire. Pour sauver mon fils, je ferai n'importe quoi. Je ne veux pas mourir. Pas ici. Pas comme ça. Mes mains tremblent. Je suis mort de trouille. Je vais pas y arriver. Si je réussis, j'obtiendrai des lettres de l'adresse où se trouve Sean. C'est ma seule piste. Je peux pas la laisser passer. Contresens sur l'autoroute sur 8 km. Est-ce que je suis prêt à courir ce risque pour sauver mon fils ? Allez, on y va. Je dois le faire. On y va. Pour Sean. J'ai pas le choix.
On va mettre tout le monde en danger. Là, je suppose que ça... Allez. Wow. Je peux y arriver. Allez. Il reste 6 km à parcourir pour atteindre l'objectif. Dégagez! Dégagez! Poussez-vous! Non! Allez, allez! Il n'y a pas de pique autour. Ça va. Chercher le deuxième Henri, oui. Juste un débit dès que tu le rappelais, quoi.
Claude. Ah, on se retrouve avec la petite dame qui a part de son appart. On t'a dit de déménager. Va se retrouver au même motel que le mec. La réception est ouverte. J'espère qu'il leur reste une chambre. C'est l'angoisse qui prévaut ici, alors qu'on est toujours sans nouvelles du petit Sean Mars, 10 ans, disparu hier alors qu'il jouait dans un parc. De sources policières, il semble désormais acquis que c'est bien le tueur aux origamis qui serait derrière cette nouvelle disparition. Si cette information venait à se confirmer, on sait qu'il laisse... Hey, salut ma jolie. Qu'est-ce que je peux faire pour vous ? 5 jours après leur enlèvement. Je voudrais une chambre. C'est donc le tout ce que vous voudrez, poupée. S'ils veulent retrouver l'enfant vivant. Remplissez le registre. Pour ICN. Il se prendrait son registre dans la gueule, hein. Madison Page, 27 ans. Célibataire. Et vous allez rester longtemps parmi nous, mademoiselle Page ? Je sais pas encore. Chambre 201. C'est l'escalier à droite dans la cour, au dernier étage. Merci. Tout le plaisir a été pour moi. J'en doute pas. Chambre 201. Escalier de droite, dernier étage. Genre, il me dit escalier de droite et je peux pas y aller ? Ah si. Ah d'accord, faut aller où ? Chambre 201. Bien. Escalier de droite, dernier étage. Monsieur ? Est-ce que ça va ? Je vais appeler une ambulance. Pas d'ambulance. Vous êtes gravement blessé, il vous faut un médecin. S'il vous plaît, aidez-moi juste à retourner dans ma chambre. C'est la 207. Allez. Vous avez la clé. Il a l'air sérieusement sonné. Vous êtes dans un sale état, vous devriez voir un médecin. Je dois avoir
une ou deux côtes cassées. Non, on n'en meurt pas. Mais ça fait un mal de chien. Vous saignez à la tête, ça a l'air profond. Il peut à peine bouger. Je peux pas partir et le laisser comme ça. Je vais l'aider, je poserai des questions plus tard. Antidouleur paracomol, administré en cas de forte douleur, ne pas dépasser un cachet par 24 heures. Oui, bah oui, prends ça. Antidouleur paracomol, administré en cas de forte douleur, ne pas dépasser un cachet par 24 heures. Tenez, prenez ça. Ça devrait vous faire du bien. Un antidouleur. Ça va vous soulager. Sur la boîte, ils disent d'en prendre un par 24 heures. Je ne crois pas que ce soit une bonne idée de forcer la dose. Je n'ai pas le temps d'attendre. Oui, bah tu vas t'intoxiquer. Pas mieux. Sa plaie a besoin d'être désinfectée. Mais... oh putain. Antifièvre péraphénol, administré en cas de forte fièvre uniquement. Antibiotique Nécofrène 100, administré en cas de risque d'infection. C'est quoi ? Sa plaie a besoin d'être désinfectée. Je suppose que c'est du désinfectant. Je vais désinfecter votre plaie. Il est possible que ça pique un peu. Qu'est-ce que c'est que ce coton ? C'est une gomme, en fait. Voilà. Au moins, c'est ça ne s'infectera pas. Elle l'a désinfecté au Babybel. Si j'étais vous, j'éviterais de bouger pendant quelques jours. Je voudrais prendre une douche. Bah, t'aurais pu le faire avant que je vais vous aider. Je reste ici en attendant que vous ressortiez. Prévenez-moi si vous vous sentez mal. Dis, voyeuse. Vous devriez me parler. Comme ça, je saurai si vous tombez dans les pommes. C'est quoi, votre nom ? Madison. Vous logez aussi dans le motel ? Non, j'habite en ville. Je souffre d'insomnie chronique. Je n'arrive à dormir que dans les hôtels. Ne me demandez pas pourquoi. Alors, quand je suis trop épuisée, je viens passer une nuit ici. Et vous ? Je suis juste de passage dans la région. Et à part soigner les inconnus, Madison, qu'est-ce que vous faites dans la vie ? Je suis photographe. Je photographie des intérieurs design pour des magazines tendance. Et vous ? Je suis architecte. Merci d'être resté. Je crois que ça va aller maintenant. Bon. Ok, je vais y aller. Ah, au fait, vous ne m'avez pas dit votre nom. Ethan.
Soyez prudent, Ethan. Allez, le deuxième origami. Êtes-vous prêt à souffrir pour sauver votre fils ? J'ai plus le temps. J'ai plus le temps. Et c'est reparti. Là, il a fait un truc bizarre son cou. Je crois qu'il n'y a pas que les côtes qui s'est cassé. Les vertèbres cervicales aussi. La première fois ? Pardon ? Que vous tuez quelqu'un ? Oui, bah j'ai pas fait exprès, il était marqué O, j'ai appelé. Ça fait toujours quelque chose la première fois. Après, on s'habitue. Je suis pas sûr de vouloir m'habituer à ça. C'est lui. Deux secondes. J'étais en train de me faire une flotte. Je suis en train de me déranger quand je suis occupé. Miroslav Korda ? Ouais. Lieutenant Carter Blake, j'aimerais vous poser quelques questions. Ça, c'était sûr. Merde, restez pas là, il va nous échapper ! Vous excusez pas ! Merde. Eh oui, mais je suis pas doué, moi. Avec... Aïe ! Attention ! C'est de la manière dont ça... Attention ! Oh ! Merde, de côté. On voit pas bien, en plus. Non, tout ça, on va Hé, mec, fais attention! Ça va, je l'ai eu. Non, mais... Merde, c'est quoi ton problème? Putain, où est Blake ? Ça caille là-dedans. J'ai les mains engourdies. Allez, montre-toi, salopard. Merde, où est-ce qu'il est passé ?
Je crois qu'on tient le tueur aux origami. Ah bon, comme ça. Juste parce qu'il s'est barré. Non, il a peut-être fait une autre connerie. Non, tu ranges ça tout de suite. On picole pas, monsieur. Ventoline important, ça. J'ai fait le tour des parents des victimes. Tout ce que j'ai, c'est ce téléphone et une boîte avec des origamis. Tous les journaux parlent de ce gamin qui a disparu, Sean Mars. J'ai du mal à respirer avec cette foutue humidité. J'espère qu'il va bientôt s'arrêter de pleuvoir. J'avais besoin de repos. Je dors pas beaucoup depuis que ces meurtres ont recommencé. On se casse, hein. On se trouve ce qu'on fait là.
Vous m'aviez dit que si je me souvenais de quelque chose, je pouvais vous contacter. Je peux entrer ? Bien sûr. Non, tu vas rester dehors. Oui. Je vais vous débarrasser. Vous voulez boire quelque chose ? Oui, je veux bien un verre d'eau. Merci. Asseyez-vous, je vais vous chercher ça. Allez. Mais, oh putain, oh quel enfer ! Merci. Je m'attendais vraiment pas à la revoir. Je me demande ce qu'elle veut. Voilà. Je me suis souvenue d'un détail. C'est peut-être pas important, mais le matin de la disparition de Johnny, une lettre est arrivée. Une lettre ? Quel genre de lettre ? Elle était adressée au père de Johnny. J'ignore ce qu'il y avait à l'intérieur, mais il l'a ouverte et il est parti. C'est la dernière fois que je l'ai vue. Et vous pensez que cette lettre a un rapport avec la mort de Johnny, c'est ça ? Vous vous souvenez d'autre chose à propos de cette lettre ? En fait, je sais pas pourquoi, mais je l'ai gardée. Oh, rien de particulier. Sauf l'adresse. L'adresse ? Elle a été tapée à la machine à écrire. Ça peut être une piste, qui sait. Merci de votre aide, Lorraine. Je vous tiens au courant si ça mène quelque Attendez, part. Attendez, je peux pas rester à rien faire pendant que vous cherchez l'homme qui a tué mon fils. J'ai beaucoup réfléchi depuis votre visite. Je veux vous accompagner dans votre enquête. Y a rien que vous puissiez faire pour m'aider, Lorraine. C'est pas une bonne idée, croyez-moi. Si vous refusez que je vous accompagne, je garde l'enveloppe. C'est donnant-donnant. Écoutez, une enquête comme celle-ci comporte des risques. Et j'ai pas le temps de jouer les gardes du corps. Combien d'indices tangibles avez-vous, Monsieur Shelby ? Cette enveloppe est votre seul lien avec le tueur. Je comprends. Oh, le chantage est... C'était une idée stupide. Désolée de vous avoir fait perdre votre temps. Attendez. Vous êtes vraiment une drôle de fille, Lorraine. Je dois l'avouer. Le chantage, je suis juste une mère. Une mère qui veut retrouver celui qui a tué son fils. Alors, on est partenaires ? C'est d'accord. Et temps de chargement de 2 heures. Ah non, si, voilà. Mais attends, je bois un coup. Bordel de jeu. Non mais... Pas laisser le temps. J'aurais préféré que vous m'attendiez dans la voiture. On est associés maintenant. Je vous lâche plus. Super. Alors qu'est-ce qu'on vient faire ici ? On vient voir Gordy Kramer. Kramer ? Celui qui a fait fortune dans la construction ? Non, son fils. Vous le suspectez d'être le tueur ? Pour l'instant, c'est juste quelqu'un à qui je voudrais poser quelques questions. Là, j'ai personne à... Ouais, ils sont pas mal coupés.
Bon tuyau, il y a bien une fête ce soir. Le gars de la sécurité a bien gagné ses billets. Il y a des types de la sécurité un peu partout. Gordy Kramer est plutôt parano, on dirait. Quelle idée stupide de laisser cette fille m'accompagner. Tout ça pour obtenir cette foutue enveloppe. Monsieur Kramer n'a pas l'air d'avoir de difficultés à boucler ses fins de mois. Dommage d'avoir autant d'argent et si peu de goût. On discutera des coûts un autre jour, si ça vous embête pas. On va rester longtemps. Je suis pas sûr de me sentir très à l'aise dans ce genre d'endroit. Faut que je trouve Gordy Kramer. Allez vous asseoir quelque part. Je vais essayer de le trouver. Ok. Prévenez-moi si je peux vous aider. Ça a l'air blindé là-dedans. Ça va pas être simple de trouver Gordy. Bon, il faut que je trouve Gordy Kramer. Ils sont obligés de mettre cette foutue musique aussi fort. On s'entend plus penser ici. Salut, je cherche Gordy. Vous savez où il est? Je l'ai vu tout à l'heure. Vous aurez de la chance si vous l'apercevez. Il se mêle rarement à ses invités. Ah vraiment? Pourquoi organiser ce genre de fête, alors? Allez lui demander! Salut! Je voudrais voir Gordy. Gordy veut voir personne. Dégage! Écoutez, on vient juste de me dire que je pouvais monter. Autant de marioles si je te faisais bouffer tes billets. Dégage! Avant d'avoir des problèmes. Bon. Si je veux voir Gordy Kramer, va falloir que je trouve autre chose. Je pourrais leur foncer dedans. T'entends mes mauvaises idées. Les autres gardes auront vite fait de leur appliquer. Faudrait arriver à les éloigner un peu des escaliers le temps que je monte discrètement. Peut-être que s'il y avait un incident parmi les invités, ça attirerait les deux gorilles. Ça se tente. Peut-être que Lorraine aura une idée. Jamais ce qu'il m'a dit sur toi. Ici, il a dit. Espèce d'enfoiré! Il va le regretter. Espèce d'enfoiré! C'est de ma mère que tu parles, espèce de macaque, avec ton costard pourri? Et tu te prends pour un dur là? Bah, je suis encore plus dur que toi, moi. Le gorille, c'est à toi que je cause, sale macaque. J'ai quoi sur ma mère? Non, c'est pas, même pas de me frapper, c'est. Jolie fille. Tu sais qui je suis? Est-ce que tu le sais? Gordy doit être quelque part à l'étage. Il devrait pas être difficile à trouver. Il faut que je trouve Gordy Kramer.
Monsieur Kramer. C'est le meilleur moment. Ok. Mon nom est Scott Shelby, je suis détective privé. J'enquête sur l'affaire du tueur aux origamis. J'aurais aimé vous poser quelques questions. On avait une voix irritante la dame, ouais, de ouf. Je voudrais savoir ce qui s'est passé exactement avec le petit Joseph Brown. Dégagez, vous entendez? Foutez-moi le camp d'ici! Qu'est-ce que vous voulez? Un témoin a vu le petit Joseph Brown monter dans votre limousine. C'est la dernière fois qu'il a été vu. Je sais que vous avez été arrêté et interrogé par la police jusqu'à ce que votre père passe un petit coup de fil pour clore l'enquête. J'aimerais entendre votre version des faits. Le gosse était perdu. Je lui ai proposé de le ramener chez lui en voiture. La police est arrivée, j'ai expliqué le malentendu et j'ai été relâché. Voilà toute l'histoire. Pas de quoi fouetter un chat, n'est-ce pas? D'accord, alors vous êtes le bon samaritain qui ramène les enfants qui se perdent comme par hasard juste devant sa limousine. Soyez gentil, racontez-moi quelque chose que je puisse croire. Eh bien, je suis le tueur aux origamis. Je fais monter mes victimes dans ma voiture. Je les noie dans une citerne d'eau de pluie. Puis je les abandonne dans un terrain vague, avec un origami dans la main et une orchidée sur la poitrine. Je fais ça parce que je m'ennuie, Monsieur Shelby. Et c'est un moyen ludique et créatif de me distraire. Est-ce que ça vous suffit? Vous en voulez encore? Notre entretien est terminé. Débarrassez-moi de ce clown! Ouais! Oh! Oh! Merci de votre visite, Monsieur Shelby. Vous m'avez presque distrait. Dégagez-moi ça. Harry, ouais. Harry, prie pas. Ah, mais écoutez, j'aime pas ça. Bon alors, cette deuxième épreuve. Et maintenant, où est-ce que je dois aller? Il doit y avoir une indication, un signe quelque part. Je me demande pourquoi on m'a fait venir ici.
C'est la vieille centrale électrique de Pico. Je pensais qu'elle était abandonnée. C'est peut-être un piège. Je ferais mieux d'être sur mes gardes. L'origami représentait un papillon. C'est peut-être un papillon que je dois chercher. Il y a un papillon là. Avec le papillon. Ah, il y a un autre papillon là-bas. Ça va avec ses coups de pété, il s'en sort bien. Il doit y avoir un moyen d'entrer dans ce bâtiment. D'autres papillons. L'entrée principale est condamnée. Il doit y avoir un autre accès quelque part. En longeant le bâtiment, je trouverai peut-être une entrée. En longeant le bâtiment ? Non, mais là, c'est bloqué, en fait, je suis sûr. Des barbelés. Il doit y avoir un moyen de les passer. Allez, il va choper le tétanos. Bravo. J'espère que t'as fait tes rappels, hein. Des condensateurs électriques. D'après le bruit, ils sont sous tension. Mais non, 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 reviens.
Quoi c'est? Bravo. Ah, je peux avancer. Okay. C'est moi qui dois le faire avancer. Wow! Impossible de faire demi-tour. Il va falloir que je rampe là-dessus. Essayez de ramper doucement. Je me suis fait piéger dans ce trou. Et Sean va mourir par ma faute. Il faut que je sorte d'ici. Il doit bien y avoir une sortie. Elle me montre d'où vient l'air frais. Oui, ça y est, un papillon, monsieur. En fait, dès que l'écran devient rouge, ça va avancer, c'est bon, ouais. Hop, on va voir ça tout à l'heure, comment qu'il souffle. C'est sadique. La douleur est atroce. Je ne tiendrai pas longtemps. Il faut que je tienne pour Sean. Se mentir, il a une veste, il enlève sa veste, il la met en boule, il fait un boudin avec et il pousse les morceaux de verre tout en avançant et il se fait pas mal, hein. Il est un petit peu con, on va pas se le cacher.
Oh, la lumière au bout du tunnel. Allez, encore plein de morceaux de verre. Allez, il va faire du toboggan maintenant. Je ne sais même pas où ça va. Si ça se trouve, je vais m'écraser 20 mètres plus bas. Je n'abandonnerai pas. J'irai jusqu'au bout pour sauver mon fils. De toute manière, je n'ai pas vraiment le choix. Il n'y a pas d'autre issue. Sauter ou ne pas sauter. On n'a rien sans mal. Allez. Bon, je suppose que je n'ai pas vraiment le choix. Avec quoi? Et bah quoi? Ah, il faut que je lâche. Ok. Mais bien, jusqu'à ce que ça disparaisse, et là, faut que je lâche. Non, mais c'est en fait, le tueur tue les enfants, il est pas mal. C'est ça. Il a dû se faire abandonner par son père ou un truc comme ça, et du coup, il en veut au père, et. Bref. Du coup, il est mal à l'épreuve. Mais... une connerie dans le genre. Enfin, c'est un psychopathe, pour ça. C'est de l'autre côté, le papillon. Je dois bien observer chaque condensateur. J'aurai plus de chances de m'en tirer vivant si je choisis mon chemin. Je ne suis pas arrivé jusqu'ici pour renoncer maintenant. Il faut que j'aille au bout si je veux sauver Sean. Un champ de condensateurs électriques. Il faut les traverser pour atteindre le papillon. Je ferai mieux de partir tant que je suis encore en vie. Je ne sauverai pas Sean en mourant ici. Du tout avec, avec les avec les doigts disons. Alors attends.
Enfin bon, on va éviter quand même de s'agriller. Donc il y a top tout droit. Top par là. Okay. Il va pas tarder à se noyer. N'arrivera jamais à temps. Hein. Déjà, il va se taper une pneumonie. Oh mon Dieu! Elle a pu éviter. Une fois plus vite en touche. Ma main gauche, elle suit pas, les gars. Soyez gentils avec ma main gauche. Il a pas l'air léger. Hein. Ethan. Ethan, vous m'entendez? Comment ça me réveille un peu sur ta chaise, c'est ça? Non. Vous êtes brûlant de fièvre. Désolée, mais il faut que je vous enlève vos vêtements pour pouvoir vous soigner. Vos bras sont dans un sale état. Il va falloir désinfecter les plaies.
Oh, je suis pas médecin, mais je vais faire ce que je peux. Alors... douleur antibiotique somnifère, antifière... Vos coupures sont désinfectées. On prend un médicament. Il nous faut des antibiotiques. Et des antidouleurs. Parce que là, à mon avis, il aura passé tout un tas de saloperies là, à ramper dans la merdouille. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre ? Pommade ? Bandage ? Bon, c'est désinfecté, on va être bandage. D'autres pommades ? Pas de la pommade. Parce que c'est qu'une pommade. Si c'est une pommade antibiotique et antiseptique, oui, mais c'est de la pommade pour les cheveux. On n'a pas un verre d'eau, non ? Il est tombé dans les pommes. Il n'y a plus rien que je puisse faire. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre et espérer qu'il se réveille. Il y a ses genoux aussi. On va peut-être désinfecter ses genoux. Je sais pas. Vous vous sentez comment ? Il est tombé dans les pommes. Ah oui, d'accord. J'ai connu mieux. J'ai dormi longtemps ? 3 heures environ. Vous jouez souvent les anges gardiens ? Avec des inconnus ? Quand j'étais petite... c'est toujours moi qui soignais mes frères quand ils allaient se bagarrer avec les autres gamins du quartier. Je suppose qu'il m'en est resté quelque chose. Vous avez dit que vous étiez là parce que vous êtes insomniaque. J'ai vécu des choses plutôt difficiles durant ces derniers mois. Du genre qu'on voudrait essayer d'oublier. Je fais ce que je peux pour vivre avec, mais... c'est pas facile. Ça fait 2 fois que je vous retrouve dans un sale état. Vous avez toujours l'air de risquer votre vie. Qu'est-ce qui se passe, Ethan ? Vous êtes de la mafia ? Vous devez de l'argent à quelqu'un ou un truc dans le genre ?
Écoutez, je vous suis très reconnaissant pour votre aide. Mais dans votre intérêt, je crois qu'il vaut mieux que vous ne posiez pas de questions. Je pourrais peut-être vous aider. Personne ne peut m'aider. Vous avez déjà fait beaucoup, Madison. Bon. Je vais y aller. Faites attention à vous. Bon. Suivant. Vous êtes prêt à faire un sacrifice pour sauver votre fils? Oula. Oulolo, c'est pas fini. C'est pas moi, je vous jure que c'est pas moi. J'ai rien à voir avec cette histoire, j'ai jamais tué personne. Non ? Alors pourquoi tu t'es enfui quand on est venu t'interroger ? Je vous ai déjà dit, j'ai oublié de me présenter à ma probation. Je voulais pas retourner en tôle. Et quand j'ai vu les flics, j'ai flippé. J'ai pas réfléchi. On a vérifié ses informations. Il a un alibi pour au moins 3 des meurtres. Ça marche, foiré, le client parfait. Merde ! Je vais arrêter là. J'attends qu'ils aient fini la cinématique. Ash ? Ok. La mère de Sean Mars est là. Elle voudrait vous parler. C'était il y a plusieurs mois de ça. Putain, elle est longue. En pleine nuit. Je sais pas si ça pleuvait à verse. C'est vu que... Vu qu'on a vu le chargement, à mon avis, ça a save, donc... Eh ben, c'est pas mal, tout ça. Il y a bien 2 heures, donc... Mais ça va pas, non ? Oh, Oli, t'es chiant. Ça fait déjà 2 heures, donc on va arrêter là, les petits loups. On va arrêter ici. Hop. Hop, 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 hop. Intermission. Waouh. Et ben sur ce, donc on est quand? Je sais déjà même plus. On est mercredi. Demain on n'est pas là parce qu'on va chez mamie. Demain on est jeudi. Merci le motard. Merci. Merci, merci. C'est ça. Du coup je vous dis à vendredi. Je vous fais des gros poutous poutous. Merci d'avoir été présent. À vendredi, poutous poutous. Thank you.